Ça fait plaisir de vous entendre, monsieur. J'ai lu vos rapports d'opération sur Aurora. C'était du beau travail. La conspiration est déjouée, mais... Le FSB nous a informé que Stone s'était rapproché d'un groupe d'ultranationalistes russes. Et ils ont mis la main sur des stocks d'armes chimiques. D'après nous, ils ont l'intention d'utiliser des drones pour diriger une attaque terroriste coordonnée contre les États-Unis. Les victimes se compteraient par millions sur notre sol. C'est vous qui allez faire tomber cette organisation, et pour ça, vous devrez éliminer leur chef. Stone est notre cible prioritaire. Je vous envoie un listing actualisé des objectifs prioritaires. Les ordres viennent de tout en haut, et pour le coup, tous les regards seront braqués sur nous. On peut faire une croix sur les renforts. C'est compris. Je ne vous décevrai pas. Nous comptons sur vous, Nomad. Bonne chance. Ghost Leader. Nomad, à vous. J'écoute. Je suis sur les traces de Manticore. Ok. Stepan Belevich, alias Manticore, est un bodark spécialisé en technologie droniste. Il supervise la chaîne de montage. Ils ont déjà produit les drones qui disperseront le neurotoxique. La dernière position connue de ces drones était au port. Il faut les détruire à tout prix. Priorité absolue. Les livraisons ne se font qu'en nocturne. Alors vous pourrez agir discrètement. Je vais vous indiquer un point d'infiltration potentiel. Mais si vous avez mieux, à vous de voir. C'est bien reçu. Nomade terminé. Thank you.
On s'énerve pas. Ok.
C'est pas possible! Lâchez-moi un peu! Voir quoi que ce soit. J'espère qu'il n'y a rien. J'aime pas être de l'air qu'on voit rien. Je préfère un peu d'action. Allez, quoi, il y a rien ici. Je veux voir un truc tout à l'heure. Voilà, voilà. Et ben, bonne chance, hein. L'officier russe. Complètement. Dis-moi où est-ce que je peux le trouver. Bon, elle a pas besoin de t'énerver, je vais tout te dire. Ce type est un connard. Le pire chef que j'ai eu depuis mon arrivée. En plus, c'est un putain de crevard. Sa caisse a toujours le plein pour foutre le camp à la première alerte.
vois strictement rien. Donc, R.A.S. Mais ferme ta gueule une seconde, tu veux? Ouais, rien de ce côté. J'ai éliminé Manticore. Stone va devoir trouver un autre moyen de fabriquer ses drones. J'ai des oreilles partout. Mais rassure-toi, je ne peux pas te localiser. Pas encore. Tu m'as pris un de mes pions. Wow, très impressionnant. Nous avons plus en commun que tu ne le penses. T'es un boucher, rien de plus. Condamné à vivre dans l'ombre de Walker. J'ai une vision, nomade. Une vision qui te dépasse. Les ghosts ne changeront pas le monde. Puis Walker est mort, grâce à toi. Moi pas. Qu'est-ce qu'il faut en déduire, d'après toi? Qu'est-ce que... Ghost Leader, j'attends le brief sur Bukharov. Au secours, s'il vous plaît. Je suis sur une bombe. Du calme. Je vais vous aider. Ne bougez pas. Il est relié à une bombe. Si je le déplace, la charge va exploser. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. T'as trouvé ton cadeau. Moi,
moi qui pourrais être au pieu en train de mater un bon film. C'est un piège. J'ai peur. Je veux pas qu'il y ait des morts à cause de moi. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Un russe m'a obligé à me mettre là. Il a dit que ça exploserait si je bougeais. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Je suis sur une bombe. Si je bouge, elle explose. Je commence à avoir des crampes. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Pitié. Un russe m'a obligé à me mettre là. Il a dit que ça exploserait si je bougeais. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Qu'est-ce que tu veux, Bukharov ? Ce que je veux, nomade, c'est te témoigner de la bonté. Cette bonté qu'on a refusée à mon père il y a toutes ces années. Alors réglons ça entre nous. Il y a déjà eu trop de victimes. Joue le jeu et il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a qu'un seul endroit où tu pourras savoir où je suis. Je te transmets les coordonnées. Bon, ok. Je vais jouer le jeu. Mais ça va se payer.
contact. Restez à côté. Pas question de lui laisser le champ libre. Tous à vos postes. On a de la compagnie. Reçu. Vous avez le feu vert pour engager. C'était les hommes de Bukharov. Je dois fouiller la zone pour trouver les intels qu'il m'a promis. Que dalle sur cette bécane. Bukharov se fout de ma gueule. Des cadeaux non plus. Je n'aurais pas parié sur ta survie. Mais il reste une dernière épreuve. Les otages ont des bombes et un détonateur fixé sur eux. Si tu survis, c'est que tu es digne de m'affronter. Bukharov me surveille. Il est sûrement dans le coin. Je peux régler ça à ma manière, mais si je me fais griller, les otages sont foutus. Sinon, je peux jouer le jeu pour protéger les otages et laisser à Bukharov tout le temps de se préparer. C'est un piège. J'ai peur. Je veux pas qu'il y ait des morts à cause de moi. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Je suis sur une bombe. Si je bouge, elle explose. Je commence à avoir des crampes. J'ai désamorcé la bombe. Tirez-vous de là. Tu as dépassé mes attentes, nomade. Je ne t'en
t'en aurais pas cru capable. Il n'y a plus qu'à nous affronter et voir qui l'emportera. C'est une faveur que je te fais. Mon père n'y a pas eu droit. Tu sais où me trouver. Il est temps d'en finir. Que dalle ici, les gars. Oui, je sais qu'il se passe rien. Moi aussi, je regarde. Lâche-moi un peu. Ça sert à rien. Rejoins un abri. Attention, on n'est pas seul. On passe à couvert. Restez à couvert. Restez à couvert. Basilisque. Commandant Piotr Bukharov, l'héritier de Ravensrock, est mort, rongé par le désir de venger son père. Les Russes n'ont plus de chef. Ghost Leader, Nomade à vous. Sur Ravensrock, histoire de vous donner une meilleure vue d'ensemble. Ils sont authentiquement liés à l'armée russe, mais leur coup d'état de 2024 les a relégués au statut de traîtres ultranationalistes. J'étais chargé de coordonner leur élimination. Nous pensions tous les avoir mis sur la touche. Il faut croire qu'on a eu tort. Piotr Bukharov est le fils de Vitali Bukharov, le fondateur de l'organisation. À mon avis, la vengeance figure en bonne place de leurs priorités. Nous avons aussi appris que Stone avait promis de les aider à lancer une offensive contre leur patrie, après celle contre les États-Unis. Ils ont de bonnes raisons de vouloir que Stone parvienne à ses fins. Pour information. Bien reçu. J'y vais. Ghost Leader, Nomade à vous. Je vous écoute. Je suis sur la piste d'Oracle. Quelles infos ? Il se fait appeler Ivan Ivanov. C'est à coup sûr un nom d'emprunt. C'est un Bodark, un expert en renseignement. Il change d'identité plus souvent que je change de quel but. Il a dû servir dans les Spetsnaz, alors il touche en cyber. Sa priorité, c'est de contourner les protocoles de sécurité US. Gideon McCormack, un ancien cadre de la sécurité intérieure installé sur Oroa, a actionné une balise de détresse. Elle a cessé d'émettre, et ça, c'est mauvais signe. C'est une cible idéale pour Oracle. Trouvez-le et faites-le parler. Bien reçu. J'y vais. Il y a quelqu'un ? À l'aide ! Vous n'êtes pas de Sentinelle. C'est quoi votre nom ? Vous êtes des forces spéciales, c'est ça ? Je suis Gideon McCormack. J'étais... Je sais qui vous êtes. Je vais vous sortir de là, ok ? Oui, c'est bon.
allons-y. Allez, briefez-moi. Oh, ma jambe. Quand j'ai quitté la vie active, j'ai voulu voir de mes yeux l'utopie de Skell. Oh, Sentinelle a débarqué et j'ai fait profil bas. Je me doutais qu'il s'intéresserait à moi. Ça a marché un temps. Et puis les Russes ont rappliqué. Ils m'ont interrogé. Protocole de sécurité, itinéraire d'exfiltration des VIP, mot de passe. Ils voulaient tout savoir. J'ai fini par craquer. Je leur ai parlé des protocoles de la sécurité intérieure. Alors c'est trop tard. Non. J'en ai gardé juste assez. Enfin, j'espère. Leur chef, c'est un fumier de première. Mais quelques-uns de ces hommes ne sont pas aussi loyaux. J'ai sauté dans la rivière et j'ai pris une balle au passage. Ils allaient me cueillir quand vous avez débarqué. Ici, vous serez en sécurité. Oh, merci. C'est bon, je me reprends en main à partir de là. Je suis encore loin d'être fini. Je suis sur la piste d'un Russe. L'officier qui vous a interrogé, sûrement. Des idées ? Je n'y voyais pas grand-chose. Mais l'eau de la rivière où j'ai plongé, elle était salée, clairement. Ok. Là où j'étais retenu, ça puait la mort. Et il y avait beaucoup de bruit. Une usine, peut-être ? C'est ce que je me suis dit. Il y aura peut-être un indice là-bas sur sa position. Bon, ça fera l'affaire. Soufflez un peu. Ça me fait chier d'obéir à ce connard de Ruskov. Laissez-moi tranquille. Vous commencez à me mettre mal à l'aise à faire ça. Oracle cherche McCormack. Il est temps d'en finir avec lui. Ah,
Alors lui, Stone, peut toujours courir pour éliminer ses cibles. Ici Nomade, en position pour négocier l'objectif Sphinx. Vous me recevez ? Reçu. Ce Sphinx est un vieux collègue à vous. Anthony Berkeley. Il était dans le coup avec Walker. Sphinx est chargé de la sécurité de son opération contre les États-Unis. Il butera tous ceux qui s'y opposeront. On n'a rien de très concret sur lui. Hormis qu'il aurait ravitaillé dans un camp voisin. Allez sur place et interrogez des officiers de Sentinelle. Quelqu'un doit bien savoir où il est allé. Il a assez sali le nom des Ghosts. Nomade terminé. Patrouille depuis je sais pas combien de temps. On trouvera que dalle. J'ai l'impression que toutes les 10 minutes, je prépare rien à remettre. Ton patron, où est-ce qu'il est ? Qui ça ? Te fous pas de moi, le Wolf. Avec la kill list. Ils se ressemblent tous. Ils ont rien sur eux qui les distingue. Essayez lire à l'ouest d'ici. Le Wolf qui commande cette région opère depuis un camp là-bas. C'est tout ce que je sais. Ghost Leader, ici Nomade. C'est bizarre. Les rapports se contredisent. On dirait qu'il est à deux endroits à la fois. Vu qu'on n'a rien d'autre. Autant vérifier les deux, mais discrètement. S'il remarque quoi que ce soit, il nous échappera encore. Ok, je suis sur le coup. Terminé. Aucun contact par ici. Thank you.
Raywan, oui. Oui, on a tenté les drones. Pas moyen de la localiser. Sous terre, sûrement. Ou bien caché. La moitié de mes cibles est là. Skell, Madeira, Puri. Les ghosts seraient aussi sur place. C'est l'heure de faire le ménage. La priorité, c'est de trouver Raywan. Des impacts nets et précis. Sphinx a des noms sur sa liste. Il faut que je l'arrête. Ghost Leader, ici Nomad. Ah, vous êtes là, tant mieux. Les renseignements russes nous ont aidés à reconstituer la hiérarchie de l'ennemi. Ça devrait vous mâcher un peu le travail. Comme on était en droit de le croire, chaque cible de la liste a un poste spécifique. Recherche, stratégie ou opérationnel. Si l'un tombe, le plan doit s'adapter. Chaque élimination réduit sensiblement leurs chances de succès et nous rapproche de Stone. Abattez-les tous, et il devra bien se montrer. Reçu, Nomad terminé. Ghost Leader, ici Nomad. Envoyez le topo sur Griffin. Reçu. La cible est Alexei Lysitsyn. Griffin est un réseau neural à lui tout seul. C'est lui qui supervise toute la logistique. Stone ne laisse personne d'autre avoir la main sur la création et la livraison du nouveau prototype de drone à gaz. Griffin est au cœur de l'opération. Si vous le tuez, c'est toute la machine qui sera grippée. C'est un ancien du FSB. Spécialisé dans l'implantation de cellules d'espionnage à l'étranger. Il est paranoïaque, méticuleux. J'ai contacté un informateur disposé à vous rencarder. Je vous transmets ses coordonnées. Bien reçu. Nomad terminé. Droite à cause d'un engin artisanal irakien. Ce boulot va finir par me tuer. Mais ça ne doit pas faire autre chose. C'est sûr que c'est pas un boulot de fonctionnaire. Sentinelle a buté mon informateur. Hein ? J'aurais bien voulu le sauver.
Qui a donné l'ordre? Je sais pas qui c'est, et je veux pas savoir. Il avait un accent russe. Où est-ce que je peux le trouver? Je sais pas, je fais que suivre les ordres. Mais je sais que ma cible a bossé dans ces deux centres logistiques. Boulot à la... Oh putain. Ça doit être rapide. Hey, je peux pas mourir. Ton patron, où est-ce qu'il est? Si je le savais. Pour lui, tout ce qui compte, c'est les camions, le matos, la logistique. Le reste, il en a rien. Où est-ce qu'il est? Si je le savais. Pour lui, tout ce qui compte, c'est les camions, le matos, la logistique. Le reste, il en a rien à foutre. Quel camion? Ce qui transporte le nouveau prototype de drone. Il pense qu'à ça. Putain, j'en ai trop dit. Il va me faire la peau. C'est si important que ça. Où est-ce que je peux... Où est-ce qu'il est? Si je le savais.
Tirez! Fouillez-leur la peau! Le registre est-il lisible? C'est sûrement Griffin qui efface ses traces. Peut-être qu'il y a un autre registre, dans l'autre centre logistique. Parle-moi de ça, tout de suite. C'est tout ce que j'ai comme info. Me tue pas, ok? Thank you.
La cargaison est dans ce camion. Je peux tenter d'intercepter le camion pour attirer Griffin. Surtout qu'avec le registre, je connais l'endroit parfait pour une embuscade. Par ici. Bon, évidemment, on sait tous que le sniper voit les cibles en premier. Ça va, ça va plus mal. On est là depuis des plombes et toujours rien. Une demi-cigare. Partage si tu veux. Dans mon secteur, tout est calme. Même chose. Rien à signaler.
entends ça? Le son du néant absolu. Je sais que tu m'écoutes, mon pote, et je sais ce que t'as en tête. J'ai le prototype de drone qui manque à ton opération. T'as deux solutions. Soit tu me réponds et tu te décides à m'affronter, soit tu restes assis sur ton cul et tu m'écoutes faire péter ton précieux prototype. Sans les drones, toute la mécanique de l'opération que t'as si laborieusement montée va partir en couille. Ok ? T'es un fan de feux d'artifice ? Allumage dans 3, 2... Tu vas regretter de m'avoir forcé la main, Ghost. Ok, j'ai quelques minutes avant que ça devienne le bordel. J'ai intérêt à me faire belle. Élimination confirmée. Stone n'a plus que ses vieux drones pour lancer son attaque.
Leader, ici Nomade. Briefez-moi sur Kraken. Je pars à la pêche au gros. Reçu. Kraken, alias Miroslav Semenevich, est un ancien capitaine de sous-marin russe. Il a retourné tout son équipage et les a infiltrés sur Oroa à bord d'un sous-marin. Le même sous-marin qui doit véhiculer les drones à gaz jusqu'en territoire américain pour l'attaque terroriste. Si Kraken disparaît, Stone devra trouver un autre moyen d'acheminer ses drones aux États-Unis. Je vous envoie sa dernière position connue. Ok, le Kraken va boire la tasse. Nomade, terminé. Visuel absolument dégagé. J'ai l'impression qu'on est pas seul.
signe. Je crois qu'on est tranquille. J'y crois moyen. Reste en état d'alerte. Ils sont toujours dans la nature. Dépêchez-vous de les localiser! On a des ennemis. Ok, je vais chercher les intrus. Ils sont ennemis dans notre secteur. Restez en ligne. Kraken est neutralisé. C'était trop facile. Je risque de m'habituer. Par contre, ce document a de quoi m'inquiéter. Ghost Leader, ici Nomade. Je vous reçois. Communiquez. Kraken est mort, mais on a un plus gros problème sur les bras. L'autopilote du sous-marin est engagé. En clair, Kraken ou pas, il pourrait se retrouver à portée des États-Unis. Pas question de laisser faire. On ne peut pas envisager de détruire le sous-marin. Mais vous pouvez peut-être l'endommager. Pour le comment, c'est à vous de voir. Ouais, j'improviserai. Nomade terminé.
c'est carrément une invitation au sabotage. Les autres patrouilles. Et dans le bois. Reste concentré. Tour de garde à quelque chose de pas net. Provoquer une surcharge des systèmes électroniques embarqués. De maintenance contrôle le générateur. Je peux m'en servir pour griller le système. Je peux saboter l'écoutille et utiliser le terminal de maintenance relié au générateur pour le faire griller. Ça devrait marcher. Kraken est neutralisé. C'est la première fois que je fais disjoncter un sous-marin. Ça me fera un souvenir. Les terroristes vont devoir trouver un autre moyen de déployer les drones aux États-Unis. Merde.
Ouais, on parie ? Tu ne sais rien sur rien. Tu te plantes lamentablement, même avec un complice étranger et une armée. Les États-Unis n'ont pas à s'en faire. Tu n'es qu'un pion, nomade. J'en étais un, moi aussi. Mais j'ai fini par me lasser d'être insignifiant. Personne n'a jamais mesuré de quoi j'étais capable. Je vais leur montrer à tous. Stonaldo Murray le sait. Ça va se conclure très bientôt. Ghost Leader, ici Nomade. Vous me recevez ? Ici Leader. Je suis sur la cible Médusa. Reçu, Nomade. Médusa, alias Artyom Zubkov, est un agent de Ravensrock chargé d'étudier la dispersion du gaz. Sa spécialité, c'est l'optimisation. Il va chercher le moyen de renforcer l'effet du neurotoxique. Si vous l'éliminez, l'attaque sera beaucoup moins meurtrière. Et on aura d'autres options. Médusa a servi dans les Spetsnaz. On n'a pas encore de position confirmée, mais j'ai un contact. Un technicien qui pourrait vous aider. Reçu. Nomade terminé. C'est vous le technicien ? Ouais, enfin, façon de parler. Je suis plutôt, disons, concierge. Putain. Je peux quand même vous être utile. Qu'est-ce que vous croyez ? Les Russes. Je les ai entendus parler d'un labo chimique. Les coordonnées sont sur un terminal de la tour de com. C'est le seul moyen d'y accéder. Je peux vous emmener ? Sauf si ma caisse n'est pas assez bien pour vous, hein ? C'est bon, on y va. Ok. La zone est bien gardée, donc vous allez avoir du mal à entrer. Venez. J'ai planqué un véhicule de sentinelle, pas loin. Vous conduisez, moi je tire. Rabat-joie. Vous comptiez faire quoi ? Les désinfecter à mort ? Eh, j'essaie de me rendre utile, c'est tout. Oh.
Compris. Merci, Darren. Trouve le bon avant que les données ne soient purgées. Là, j'ai la position de Médusa. Il doit y avoir un sacré paquet d'infos en plus dans le camp de Sentinelle.
Ok, j'y vais. Vas-y, je te vois. Ouais. Pousse ça. Allez, arrêtez pas de tirer. Médusa est ici. Pour déjouer le scan biométrique, il va me falloir un soldat de sentinelle. Mort ou vif. Médusa est neutralisée. J'en ai chié plus que je croyais. Mais Stone pourra plus optimiser la létalité du gaz.
Ghost Leader, vous me recevez? Ici Nomad. Je vous écoute pour le briefing sur Cyclops. Je vous reçois, Nomad. La cible est Boris Govoretsky. Cyclops est un Bodark qui chapeaute la nouvelle technologie furtive des drones et qui croit à la toute-puissance de l'Empire russe. On ignore où il se trouve. Mais mon contact sur l'île a intercepté le signal de détresse d'un groupe de civils que Cyclops aurait pris en chasse. Je vous transmets les coordonnées. Reçu. Je me demande ce qu'il leur veut, le Popov. Nomad, terminé. Sophie Dunfield. J'imagine que c'est elle qui a envoyé l'appel de détresse. Elle a sûrement des infos sur Cyclops. Je dois la trouver. Des traces de sang. Récentes. Il y a peut-être des survivants. Une victime du crash. Une femme, mais pas Sophie Dunfield. Sans doute une collègue.
ça. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai... À la con, je connais. Alerte générale! Rien de particulier à signaler. Quelqu'un s'est fait tirer dessus. Sentinelle a retrouvé les ingénieurs, on dirait. Affirmatif. Les ingénieurs ont été capturés. Gardez les hochons le temps que je les récupère. J'ai assez perdu de temps comme ça. Mes collègues, vous devez les retrouver. Thank you.
Ah. Merci. Tous les trois, on nous a obligés à travailler sur une nouvelle technologie furtive pour leurs drones. Mais on n'a pas voulu être impliqués. On allait retrouver un contact qui devait nous cacher. Mais l'hélicoptère s'est écrasé juste avant d'arriver à la mine. C'est là que les Russes vous ont mis la main dessus. Ces soldats ont dit que leur chef était en route pour nous récupérer, comme si on était des objets en libre service. Vous trois, restez cachés jusqu'à mon retour. On dirait qu'on va jouer à cache-cache, Cyclops. Couvert. Mettez-vous à couvert. Thank you.
Cyclops, vous commencez à se faire attendre. Cyclops est neutralisé. Stone peut faire une croix sur sa technologie furtive. Les ingénieurs sont sauvés. Arrêtez vos conneries, ok ? Ce tracker russe est mort. Vous n'avez plus rien à craindre de lui. Mon contact est en route. Il nous aidera à nous cacher. Ça va aller ? À part les blessures, on n'a pas trop à se plaindre. Et puis, on va bientôt nous évacuer. Merci pour votre aide, Nomad. Prenez bien soin de vous. Leader, ici Nomad. Je vais m'occuper de Harpy. Vous me recevez ? Fort et clair, Nomad. C'est Harpy qui détermine les trajectoires d'attaque des drones et coordonne les dispersions de gaz. Il veut optimiser la dispersion pour un maximum de victimes. Son vrai nom, c'est Claro Gentil. Un wolf de la première heure, il est retranché dans sa base. La zone va grouiller de drones. Mais j'ai ce qu'il faut pour vous. Des parias ont détourné une cargaison de brouilleurs qui devrait affaiblir les drones. Ils les ont tous déployés sur la plage. Rejoignez les parias sur place. Reçu. Nomade terminé. Sentinelle n'a pas traîné. Ces parias sont dans une belle merde. Hé ! Contact ! L'ennemi est dans la zone ! C'est un brouilleur IEM Skelltech, modifié par Sentinelle, pour saboter les drones. Il doit pas y en avoir des masses dans le coin. Il faut que j'en trouve autant que possible. Thank you.
la poubelle. Mouvement ennemi dans notre secteur. Il me faut un autre coin. Écoutez bien. Merci. Je vous dois la vie. Vous cherchez Harpy ? C'est ce qui est prévu. Quand vous attaquerez la base, je serai là. Le reste de mon escouade fera pareil, dès que vous les aurez libérés. Par ici, c'est bon. Oh putain ! Heureusement que vous étiez là. Occupez-vous de Harpy, je vous enverrai des renforts. Bien, ce sera pas de trop. Patrouille depuis je sais pas combien de temps. Vrai que dalle. Sincèrement. Plus d'activité suspecte. Rien à signaler. Thank you.
Merci, vraiment. Merci. Comptez sur moi quand vous irez choper Harpy. Eh, mon chef d'escouade aussi s'est fait prendre. Ils vont l'exécuter. Vous pourriez intervenir ? Je vais voir ça. Nomade, il y a des drones de partout. J'ai tous les brouilleurs que j'ai pu embarquer, mais la base est immense. Ce sera trop juste niveau portée. Par contre, on pourrait amplifier le signal si vous arrivez jusqu'à cette antenne, sans vous faire repérer. Les brouilleurs que vous avez déjà devraient suffire. D'accord, c'est comme si c'était fait. Thank you.
Harpy a bouffé son ticket. Sa mort va réduire l'efficacité des drones à gaz. Stone va tirer la gueule. Walker était dérangé, mais il croyait en quelque chose. Toi, tu crois en rien. Walker n'était qu'une simple parenthèse à effacer de l'histoire. C'est terminé. Il n'est plus rien. C'est le dernier acte. J'ai survécu. Le rideau va tomber et je me dresserai dans toute ma puissance et toute ma gloire. Leader, ici Nomad. Envoyez le briefing sur Stone. La dernière cible est Treystone, chef de sentinelle et ancien de la Red Team. Vous avez ébranlé le projet de Stone, mais la menace terroriste n'a pas disparu pour autant. Si j'en crois mes sources, Stone a prévu de répandre du gaz toxique sur le territoire américain. Vous devez empêcher cette attaque et l'éliminer. Stone fait transporter de l'équipement stratégique par 3 camions. Détruisez-les. Je suis en route. Nomad terminé. Thank you.
Autre chose à m'apprendre? C'est tout ce que j'ai comme un tel. Ne bute pas. Putain.
les avoir. Il n'y a plus rien qui bouge. Il était de Sentinelle, le chef du dernier convoi à tous les coups. Quelqu'un de chez lui l'a abattu à bout portant. Mais pourquoi ?
Tu as tout ruiné. C'est le point de non-retour, Nomade. Allez, viens me faire face. Je vais te mater comme la petite vermine que tu es. C'est donc ici que tu te caches. Il est temps d'en finir. Je ne me cache pas. Et je ne me cacherai plus jamais. Le monde découvrira qui je suis. Il regrettera de m'avoir sous-estimé. Je dois ouvrir pour arrêter Stone. Ça commence à presser. Je dois trouver des points d'accès à saboter. Et vite! J'ai besoin d'aide. Ça serait trop long à expliquer. Ça a l'air grave. Je vais dire à mes hommes de mettre le paquet. Ils vont te rejoindre. Merci, Ito. Ce coup-ci, c'est du sérieux. Pas fâché d'avoir du renfort. Pour toi, Stone. J'ai blessé une cible.
Ghost Leader, ici Nomad. J'ai eu Stone. On dirait bien que vous avez éliminé toutes vos cibles. Je sais que vous en avez bavé. Je suis passé par là. Grâce à vous, le pire est derrière nous. Vous avez sauvé des millions d'Américains. On a transmis au FSB tout ce qui pourrait les intéresser. Ils en feront ce qu'ils veulent. De notre côté, on remballe. Bien compris, monsieur. Et merci.